Bonjour à tous, c'est Arco08. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour découvrir les nouvelles épreuves Team Fake Kraken. Donc, c'est parti, on va lancer ça. Donc, il y aura des coupures. Je suis en compagnie de Red Sky. Salut à toi. Salut. Donc, je n'ai pas précisé, mais c'est la mise à jour de la saison 3. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est qu'il y a l'éditeur de map qui va sortir très prochainement sur Fall Guys. Donc, très prochainement pendant cette saison. Et oui, ça y est. D'où peut-être la durée du pass qui fait 132 jours. Je pense que du coup, ils vont faire en deux parties. Alors, toboggan au cerceau. Donc, comment... Et ils ont accéléré le chargement, d'ailleurs. Ah, regarde, parce que... Mais c'est un truc Bob l'éponge. Utilise A et X pour plonger. Apparemment, si on plonge, on va plus vite, ça veut dire. Peut-être. Alors, voyons voir. Oh oui, faut clairement plonger. Ouais, c'est un contre-lobe. Ah oh. Ouais, c'est comme les pingouins sur la banquise. Alors, quand il y a des virages, faut pas hésiter à sauter, puis... Oh yes, il y a des cerceaux en or. C'est quoi le but? J'ai pas tout compris. 9 en fait, tu passes dans les cerceaux et à chaque fois ça te valise. C'est comme les cerceaux, tu te souviens le. Merde. Ah, ok. Franchement, je trouve ça génial. C'est ça du coup les nouvelles mécaniques. C'est. Le fait de glisser. Et à la fin, t'as un téléporteur qui te téléporte du coup pour. Ok. Pour remonter en haut. En fait, c'est comme le truc de l'hiver de neige, 3, mais en totalement différent parce que c'est complètement une nouvelle mécanique. Et je trouve ça beaucoup plus fun et beaucoup moins rageant. Ouais, moi j'aime bien. Alors, si tu tombes, tu respawns en haut, ok. Ouais, tu respawns tout en haut, j'en ai fait l'expérience. Ouais, je viens d'en faire aussi l'expérience. Ce qui est un gros désavantage parce que du coup, on loupe les cerceaux en or. Non! C'est bon, je gère. Alors, je suis à 31, 32... Tu es à 34... Ah 34 et 35, c'est bon. Putain, j'ai fini par un cerceau en or, c'est juste histoire d'être sûr. C'est ça. Ok, franchement, j'adore. Moi, j'aime bien. Par contre, t'as pas intérêt à te louper à cette épreuve, elle est vraiment facile. Ouais, bon, on va faire je pense que... Ouais. Y a moyen qu'ils mettent des variantes après avec des balayettes ou des peut-être, trucs peut-être, ouais, peut-être. Parce qu'on les connaît au début, les épreuves, c'est genre ouais, c'est cool et tout, et après ça, il y a des lasers dans tous les sens. Oui, c'est ça. Mais en fait, ouais, là vraiment, elle est vraiment facile. Donc si tu te loupes, en fait, les gens vont pas forcément se louper, donc tu vas vite être disqualifié. Bon, en fait, on va pas faire de coupure parce que c'est important ce qu'on dit. Et vu la vitesse des chargements, what? Sur la ligne qui mène à la bonne sortie. Quoi? J'ai pas. Moi, pas compris. Moi, pas compris non plus. comment dire? Quoi? What? Attends, ne nous précipitons pas. Moi, pas compris. Ah, mais c'est une course! Ça va? Bah, du coup, faut pas perdre notre temps. Mais y'a pas de ligne. Je comprends. Ah, putain, attends. Oh, je pense avoir compris. Ouais, mais alors, du coup. Non, j'ai pas compris. Je sais pas. Bon, faut qu'on se dise dès qu'on trouve lequel c'est le passage. C'est à droite, c'est ça? Non. Moi je t'assiste. J'ai pas compris. Quoi? Ouais, ok. En fait, c'est. Mais j'ai pas saisi. Si, ok, j'ai saisi. Vas-y, viens. C'est le deuxième à partir de la droite. Ok, mais y a pas de ligne. En fait, c'est des labyrinthes. Faut partir de l'étoile et tu. Oh, d'accord. Mais en fait, je pensais que. Non, Pascal, là. Ouais, je pensais que les croisements c'était pour dire qu'il y avait plusieurs, mais en fait non, c'est juste. Moi en fait, que ça passe, je pensais qu'on allait avoir une sorte de. C'est celui-là, mec. Lequel? Je crois que t'as. Ah merde. Ouais, c'est ça. Tac, là. Bah là, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, on a galéré à comprendre, on est désolé pour les abos.
Moi, je suis au méandre. Mais bon, on trouve pas rien là. Il est où? Faut, comment... Faut trouver le début. Là, celle-là. Le début. What? Le début, il est là. Tac, 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 tac. C'est la porte qui est juste ici. Oh. Ouais, c'est ça. Salut, alors tu es en vidéo. Bienvenue à toi dans la vidéo. Je m'en suis douté. Coucou. On est qualifié? Oh yes! C'est un peu galère, j'aime bien. Ouais, celle-là est plus compliquée. C'est déjà, tu peux. En heureusement fait, qu'on a compris parce que. Ouais, on a galéré à comprendre, par contre. Alors, E-Tech, la nouvelle saison. Lourd. Faire glissade, 1 vitesse, donc c'est une autre épreuve de toboggan. En fait, je crois que ça va être que ça, que des épreuves de toboggan. Enfin, que. Non, en vrai, il y a plein de trucs, mais. Bah non, mais. What? Oh, trop de la balle! C'est à quoi là? Pardon. Mais j'adore! Moi, faut sauter, ouais, clairement. Alors, Red Sky, quand tu commences à remonter, n'hésite pas à sauter, tu gagnes énormément de temps. Ah, il y a des boosts! Oh, il y avait un boost, putain! Mais mon perso, il est teubé. Alors, fais gaffe, des fois, ton perso se remet debout et tu perds énormément de vitesse! Bah ouais, c'est à ça que je faisais référence quand je disais teubé. Je me crois dans Mario Kart, là je tape des drifts. Ouais, ouais, c'est trop normal. Oh, y'a un mec, il a jumpé en plein milieu, je pense qu'il a pris un raccourci. Oui, on peut prendre un raccourci au milieu, moi j'ai loupé, du coup j'ai respawn, donc j'ai perdu masse de temps, je sais pas si je vais être qualifié. Wouah, je suis qualifié. Putain, c'est vraiment l'attraction avec les bouées là. Ouais, non, mais c'est trop bien. J'adore. On va la refaire en vidéo cette épreuve, on l'a déjà testé, mais on a été éliminé, enfin moi j'ai été éliminé par Red Sky. Bah tu vois, c'est con que tu vois les piliers là sur les côtés avec le sirène et la sirène. Ouais. Là. Bah c'est con qu'ils aient pas fait des costumes comme ça, tu vois. Ouais. Après, oh non. Peut-être après. Hein, oui, mais... c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être tout simplement pas sorti aussi. Un skin Poséidon, ça doit être trop stylé. Oh, je sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, oh là là, le rêve. Bah, pff, Maël. De toute façon, je crois que je vais devoir la lancer ta mise à jour de Fall Guys, puisque j'ai deux mises à jour à lancer sur Steam. T'as encore une mise à jour Call of? Non. J'ai une mise à jour Dead by, j'ai une mise à jour Sea of Thieves. Ah, si. Et puis, bah, du coup. Bah, du coup aussi Fall Guys. Mais on peut pas lancer plusieurs mises à jour en attente, non? Non. Si tu peux. Enfin tu peux mais elles se lanceront une par une. Elles se feront pas en même temps. Je veux dire Epic Game et Steam. Ah oh, bah si. Ça oui, a rien à voir. Oui, mais Taco va être bridé par deux quoi. Donc Taco, ouais. Oui mais c'est pas grave du moment qu'elle l'ait fait. De toute façon elle les fera toute la nuit. Je veux dire j'ai le temps la nuit quoi. Wesh. Oui la nuit tu peux. J'ai eu hyper chaud. Alors lui il a fait suicider. Oh on est qualifié. Moi j'ai joué avec un chat à se renvoyer les balles et à sauter sur le trampoline tout du long. Oh bah logiquement ça va être la finale donc on va pas faire deux. Ah y'a un mec il a un poulet d'or et l'autre il a la sorcière. Ah vache. Alors la sorcière ça va mais le poulet d'or c'est beau. Après ça dépend, il est peut-être allé aussi au level 200 du pass et maintenant ça veut plus rien dire. J'écoute pas ouais. Alors c'est parti pour la finale, donc le claquen. Attention, saute sur les dalles marquées, attire les tentacules du gars, ne tombe pas dans l'eau, seule personne. Ok, va falloir m'expliquer. Bah en gros, il faut regarder les poignées, tu vois les poignées sur les côtés. De temps en temps, il va mettre une tentacule et il va retirer toute la zone de la couleur de la poignée. Ok, hein dessus, je vais t'expliquer. Si tu sautes sur les dalles avec les logos, ça passe de vert à jaune, ah à rouge, et là ça amène une tentacule. Et là tu vois, faut que tu sortes du truc vert. Sors du truc vert gros. Voilà, parce qu'il va le retourner, tu vois, avec sa tentacule. Voilà, donc si t'es dessus, t'es mort en fait. Donc faut rester voilà, vigilant. Il met des coups de tentacule en plus. Ouais, il met des giga coups de tentacule. C'est drôle de faire une blague. Non. D'accord. Oh le mec il a essayé de me pousser, je l'ai poussé tout simplement. Je l'ai déglingué. Ah comme il se doit. Alors, je veux pas savoir.
Alors non, on n'est pas sur un bon truc là. Ouais. Par contre, pourquoi je me fais retourner? Alors wow. Ça, c'est la question. À Quoi? Alors attends. Ah. Alors en ouais. Vidéo, je fais quoi pour ce qui vient de se passer? J'ai. Bah excuse-moi, mais en fait, moi, je faisais une très belle game. Oh comment il s'est fait? J'ai vu un arcro sauvage dégainer ce que... Mais j'aurais pu... Attends, on aurait tellement pu la gagner là. Grave, on vrai, était vraiment à la fin. On était dans les 4 derniers. Ouais. En vrai, elle est pas dure, j'aime bien cette Ouais, première. Elle est pas dure. Non, elle est pas dure. En tout cas, voilà, donc on a testé toutes les épreuves. Donc c'est rapide, 5 épreuves, je trouve ça vraiment trop léger par contre. Ouais. Après... Faut voir pourquoi je pour que la saison fasse autant de jours, elle fait 132 jours, je pense qu'il va y avoir de très nombreuses choses. Donc je pense qu'on va on va pas Mais même le petit pass dégage j'arrive moi semaine, je quitte le vote. Une semaine non tout à l'heure. Sauf les premiers c'est toujours des cours parce que c'est super simple à faire. Bon voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Allez également voir la chaîne de Red Sky et de Mister Boost dans la description, les frères Monnier. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, à vous abonner à mon Insta, Twitter, etc. Tout est dans la description, bon voilà. Merci à Red Sky d'avoir participé à la vidéo, moi je vous dis à la prochaine, et peace out. Allez, salut!